Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris en début de vidéo avec cette petite intro, deux petites randos qui sont à peu près sur le même secteur, donc j'en profite pour faire les deux. Une première de 9 et quelque chose et l'autre de 3,5 km, un truc comme ça. Voilà. C'est vraiment très très petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais tant mieux parce que ça va me permettre de prendre en main mon nouveau petit jouet, enfin un petit jouet à 500 € quand même les amis, mon drone. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, sur la présentation de ce petit drone, le Mavic Mini. Bon ben je vous laisse avec quelques prises de vue de cette randonnée et puis je vous reprends plus tard. Voilà les amis, on reprend la vidéo là. Et là, regarde, je vais aller au Selma. Attention parce que là ça roule hein. On va attendre parce que voilà, on peut voir que ça s'arrête pas. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc on peut voir la crue de 82. Voilà. Ça avait quand même monté. Hein. Mets-toi à côté du pont pour voir la différence que ça fait. Voilà. Donc les amis, on peut voir la différence. Hein. Voilà. Voilà. Énorme, hein, cette crue de 82. Au bord de la Charente, les amis. Thank you.
Bon les amis, on arrive sur la fin de la randonnée. Pour cette première petite randonnée, on va manger un morceau et puis on va se diriger sur la seconde petite randonnée qui se passe en ville. Voilà, bon, c'est, il n'y a rien de charmant comme les petites randonnées comme ça et tout ça, mais bon, c'est une randonnée touristique et surtout basée sur les monuments et l'histoire de la ville de Saintes. Bon, je connais déjà tout ça. C'est, on se gare. C'est ma ville de naissance, donc je connais bien. Mais bon, histoire de partager un petit peu avec vous. Voilà. On va manger et puis je vous reprends tout de suite. Bah les amis, en train de manger. Donc moi j'ai mangé des petites, enfin du riz au curry. C'était, non c'était du riz, pas spécialement bon, mais bon, on a randonné. Avec ça, bon, on a du saucisson, du fromage, du blanc de d'Inde, non poulet, et du serrano. Voilà, on a des petits machins de poulet, voilà. Bon, ça c'est juste pour faire le légume, parce que, bon, on est en randonnée relativement légère, parce que ben, je peux toujours pas porter le sac, donc on n'emmène pas spécialement toute la bouffe qu'on pourrait ou qu'on voudrait emmener. Voilà. Après également, petit café qui est là-bas, voilà, j'ai emmené ma petite cafetière. Très très bonne petite cafetière. Que... je mets avec le café comme ça en poudre, ça va très très bien. Et bientôt, je vais m'acheter l'adaptateur qui va avec pour les capsules. Pourquoi pas, Madame Passion Campagne, si elle veut prendre un cappuccino ou je sais pas quoi. Voilà, ça ira très très bien. Bon, on finit de manger ça et puis on se reprend pour le départ de la seconde randonnée. Passage petit pain que j'ai fait... maison, voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos que je fais à ce sujet là. Magnifique pain, magnifique alvéolage les amis. Donc voilà les amis, départ de la randonnée au niveau de Saintes. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, randonnée basée sur les monuments de Saintes. Donc ici, on a l'ancien hôpital de Saintes.
ici on avait la maternité. C'est naturellement tout à l'abandon. Un petit square. La cathédrale. On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Là, on est dans le centre-ville de Saintes, sur le cours national. Non, on traverse pas. Et voilà en face, les amis, on a l'arc de triomphe, l'arc de Germanicus de Saintes. On a par ici la gabarre. Bateau qui servait autrefois à transporter les fûts de cognac en descendant la Charente pour aller là-bas direction Rochefort. L'Arc de Triomphe autrefois se situait au milieu de la Charente au niveau de la passerelle. Et il a été déplacé. Retenu ici. Ici, on a le Batia. C'est un bateau restaurant. Un Batia, c'est ce qu'on appelle un bateau en Charentais. Voilà. Donc voilà, les amis, la cathédrale Saint-Pierre. Avec tous les samedis le marché Saint-Pierre, voilà, qui se trouve par ici, et là-bas on a le marché couvert. Tous les jours un marché sur Sainte. Donc là on arrive sur la Charente. On va traverser donc autrefois là il y avait la guinguette ici. Je venais beaucoup pêcher la carpe par ici. J'ai passé de nombreuses semaines au bord de l'eau ici. Donc de l'autre côté, on peut apercevoir les hôtels particuliers. Donc la ville de Saintes est très très riche en patrimoine, avec énormément d'histoire. Donc je vous invite naturellement à venir voir cette petite ville, qui est pas très très grande, mais très très jeune. Avec différents niveaux universitaires. C'est une ville qui est très très jeune et qui bouge énormément. Énormément de commerce en tout genre. On peut apercevoir l'église Sainte-Eutrope là-bas. Donc le pont de Saint-Onge. Super endroit aussi pour la pêche ici. Bon, je suis désolé pour le bruit. Hein. Donc inutile de préciser que quand ça inonde. Hein.
C'est régulier tous les ans. Là, ici, là, c'est plein d'eau. Bon, voilà, les amis, l'église Sainte-Eutrope. On va aller sur son parvis là-bas. Donc voilà les amis, ce que je viens de voir, un petit jardin partagé. Je trouve que c'est plutôt sympa de voir ça. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Oh, regarde, il y a des courgettes. Je vais faire connaître un petit peu les légumes, on a de la vigne. Il y a de la vigne, ouais. Je trouve ça très, très sympa. Les gens qui ont un bout de terrain qui ne sert plus ou quoi que ce soit, de le mettre au profit des autres. C'est vraiment très sympa de leur part aux gens de faire ça, quoi. On a des cornichons. Des composteurs, ça c'est très très bien. Il y a de l'ortie également. Donc d'avoir un bout de terrain complètement en friche, ce genre d'initiative est vraiment très très bien à partir du moment où les gens sont un minimum sérieux et qu'ils en laissent aussi pour les autres. Et ben, je pense que quand c'est comme ça, ça peut tourner dans tous les sens. Bah tiens, il y a un piment. Celui-là, je l'ai ramassé pour moi, celui-là. Voilà. Un piment. Très très beau cornichon. Ouais. Et là ensuite, nous arrivons aux arènes. Donc si je me trompe pas, il doit en exister deux aussi bien conservées que celle-ci. En France. Donc naturellement, voilà, c'est payant pour rentrer. Et là, la sortie est gratuite. Donc on va monter. Laurier sauce, les amis. Voilà. Des combats gallo-romains. Oh la grotte. Donc les amis, quand je vous parlais que la ville de Sainte était très très riche en histoire, donc sur ces marches il y avait des estrades et tout ça, les visiteurs autrefois, hein, c'est fini, hein. Regardez les combats qu'il y avait à l'intérieur en bas. Et voilà.
Voilà les amis, fin de la petite randonnée en plein cœur de Saintes en Charente-Maritime. Donc si cette petite vidéo vous a plu, randonnée au cœur de Saintes, bah, n'hésitez pas le pouce bleu, l'abonnement également, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les amis.